France, il existe beaucoup d'associations qui accueillent et regroupent les malvoyants pour leur apporter un soutien. Mais notre objectif, en plus de leur apporter un soutien, c'est de trouver un traitement pour guérir ces maladies invalidantes. La thérapie génique, la thérapie cellulaire peuvent ensemble guérir en fait l'ensemble de nos maladies que sont la DMLA, la rétinite pigmentaire, la maladie du Cher, et notre devise bien sûr c'est vaincre les maladies de la vue. Comment Rétina France est-elle devenue l'un des premiers financeurs de la recherche médicale en ophtalmologie en France? Eh bien comme toute association reconnue d'utilité publique, nous sommes organisés déjà à partir d'un siège qui est basé à Toulouse. Ensuite, nous avons une centaine de correspondants qui sont répartis dans toutes les régions françaises. Et puis, nous possédons aussi un laboratoire de recherche au sein du CNRS, à côté du CEA à Saclay, en région parisienne. Et enfin, nous avons créé en 2016 une fondation. Quel est l'objectif poursuivi par le comité scientifique de Rétina France ? Chaque année, au printemps, nous lançons un appel d'offres à nos chercheurs français à partir d'un cahier des charges strict. Et notre comité scientifique, par la suite, va en fin d'année valider et noter ces projets que nous pourrons financer en fonction de nos ressources. Depuis le début de la création de notre association, nous avons financé plus de 30 millions d'euros de projets. Ce qui veut dire que, grosso modo, chaque année, nous pouvons financer environ 1 million d'euros de projets. Quel type d'actions sont menées par Rétina France au quotidien sur le territoire national ? Eh bien, nous organisons dans toutes les régions françaises des colloques scientifiques qui sont destinés à nos adhérents, à nos patients, mais nous organisons aussi des séminaires, des manifestations culturelles comme par exemple 1000 cœurs pour un regard, c'est 500 concerts par an, et puis bien sûr aussi des manifestations sportives comme des randonnées par exemple ou des courses à vélo qu'on appelle tandem. En quoi consiste le service social de Rétina France ? Notre service social permet d'assister nos adhérents dans toutes leurs démarches. Préparer le dossier leur permettant d'accéder au statut handicapé et les accompagner aussi dans toutes les démarches qui concernent la MDPH, la CPH. Et Florence, notre experte en services sociaux, est à leur écoute tout au long de l'année. Quel message souhaitez-vous adresser à celles et ceux qui souhaitent s'impliquer ? Rejoignez-nous pour vaincre les maladies de la vue. Rétina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.